Et si vous regardez autour de vous, il y a des arbres partout. Mais là où on est, il y en a pas. Là où on est, il n'y a pas d'arbres. C'est comme le bois de la bâtide. C'est le bois de la bâtide. Donc c'est vous qui allez les planter, les petits arbres. Regardez ce qu'il fait parce que c'est important. Oui, il est assez. Est-ce que c'est assez profond? Oui. Moi je crois pas. Non, parce que regarde. Combien d'années vous plantez ça? Ça va faire 96, ça fait 20 ans. Oui. Ce n'est pas que symbolique. Hein. Non, ce n'est pas que symbolique. Et puis ça contribue à améliorer vraiment la régénération de la forêt du bois de la Bâtide. Au départ, on avait fait ça pour créer un écran avec l'autoroute avant. Ça avait un côté un peu écran phonique. Et puis maintenant, ça nous permet de faire de la régénération artificielle avec les enfants. Donc c'est un super support pédagogique. Et puis les résultats sont bons et sont encourageants. C'est pour ça qu'on a continué. Mais là, malheureusement, on arrive à la fin dans le bois de la Bâtide parce qu'on va manquer de place. Et donc, la forêt aura été renouvelée sur une bonne... je crois que ça fera 17 ou 18 hectares qu'on aura planté. En fait, on a pris une pelle et on a creusé des trous pour mettre les arbres. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Après, on va mettre de l'eau, ils vont grandir. Ça va être super. L'essence dominante, c'est le chêne. On plante du chêne Cécile et on apporte des essences complémentaires qui sont conditionnées par la nature du terrain, à savoir des charmes, des hêtres, et on a mis aussi quelques érables. On a mis, depuis 2 ans, on introduit aussi quelques essences qui évolueraient plutôt avec notre climat. Donc on a mis même quelques chênes verts. On a mis des pins, puisque les pins sylvestres étaient très présents dans le bois de la Bâtide. Les bois des racines. Et ça sert à quoi? Ça sert à boire de l'eau. Alors toi, tu as raison, boire de l'eau. Après. À pousser l'arbre. Ça l'aide à pousser. Il y a un travail préparatoire. Et puis après, il y a un suivi. C'est-à-dire que le taux de reprise, il n'a jamais été inférieur à 80%. Donc ça veut dire qu'on a un très très bon taux de reprise et que les enfants font du bon travail, ainsi que les employés communaux, les jardiniers, qui repassent un petit peu après la campagne pour regarder si toutes les règles sont bien respectées. Mais ils sont plantés dans de bonnes conditions. Cette partie, c'est là où il va y avoir les feuilles. Donc celle-là, elle reste en l'air. Et on remet de la terre jusqu'ici. Les enfants qui viennent dans le bois de la Bâtide, souvent, même s'ils sont sur des écoles de proximité, ils ne connaissent pas le bois de la Bâtide et ils n'ont pas ce contact à la terre que certaines générations ont pu avoir avec les grands-parents, avec les parents. Là, ils découvrent effectivement, et quand je leur dis que la terre, ce n'est pas sale, c'est quelque chose qui passe pas forcément facilement. Mais en attendant, ils le font très bien en tout cas. C'est à toi de planter, ma chérie, vas-y. Allez, ouais, au pied ou à la pelle, comme tu veux. Vas-y, aide-moi. On peut faire des meubles, on peut faire des tables, on peut faire des chaises. Avec les, on peut avec tout faire. On peut faire du feu même pour la cheminée. Oui. On peut faire du papier. Pour la respiration. Ça fait des fruits après, on peut manger. Ça sert aussi à faire des maisons avec leur bois. Des maisons en bois. Avec leur tronc, quoi. Et ça sert à faire joli.